les filles nous proposent une vidéo 3D qui simule un prototype de bâtiment à énergie positive BEBC+. Les solutions techniques économes sont présentées pour guider l'éleveur dans ses choix, fonctionnement des équipements et évaluation de leur incidence économique. Le bâtiment BEBC+ est un élevage naisseur-engraisseur de 300 truies. Pour limiter les pertes thermiques par les parois, l'ensemble de l'élevage est composé d'un seul bâtiment et regroupe ainsi les 4 stades physiologiques. Le respect des règles de biosécurité implique le passage par le sas sanitaire avec la douche avant l'entrée dans le bureau. Le bâtiment BEBC est composé de 2 salles de maternité de 40 places. Pour réduire les consommations de chauffage et assurer une meilleure ambiance, les cases de maternité sont équipées de niches pour porcelets avec une régulation infrarouge. La niche est composée d'un capot permettant de concentrer la chaleur dans le nid et de mutualiser la chaleur dégagée par les porcelets, d'une lampe infrarouge régulée pour assurer le chauffage du nid et d'un capteur qui prend la température de la peau des porcelets. Ainsi, pour chaque case, la puissance de chauffage va dépendre des besoins des porcelets. La ventilation est assurée par 2 ventilateurs qui prélèvent l'air sous les caillebotis, en assurant un meilleur maintien des débits minimums de ventilation. Ce sont des éco-ventilateurs . Les maternités sont donc équipées d'éco-ventilateurs et de niches avec régulation infrarouge. Le bâtiment possède une salle d'attente saillie gestation en petites cases bafflant avec une alimentation en soupe. La mise aux normes bien-être des truies a conduit à l'augmentation des surfaces par animal, impliquant alors, dans certains cas, un risque de déficit en température et des difficultés à maintenir un sol sec. Pour cela, le bâtiment BEBC est équipé d'échangeurs de type RR. La ventilation puise l'air vicié directement sous le caillebotis. Elle est de type économe. L'air neuf, poussé par le ventilateur, passe dans l'échangeur. Lors de son passage, l'air neuf se réchauffe en puisant les calories dans l'air vicié, sans qu'il y ait mélange d'air. La salle gestante est donc équipée d'échangeurs de chaleur et d'éco-ventilateurs. Le bâtiment BEBC+ est composé de 3 salles de post-sevrage de 480 places. L'alimentation en sec est assurée par des nourrisseurs doubles en inox. Les caillebotis sont de type plastique, tout comme les cloisons qui séparent les cases. L'isolation est renforcée par la mise en place de panneaux béton surisolés. 10 cm d'isolant contre 6 habituellement. Le renouvellement d'air se fait en extraction basse, c'est-à-dire sous les caillebotis. 2 ventilateurs sont nécessaires pour extraire 1440 m3 par heure au minimum et 16800 m3 par heure au maximum. Les ventilateurs utilisés sont dits éco-ventilateurs. Leur technologie offre une plage de variation du débit qui rend inutile l'utilisation de guillotines de freinage. Le chauffage est assuré par 2 aérothermes, eau chaude, de 7 kW chacun. L'aérotherme est un système de chauffage de type eau chaude qui à lui seul ne permet pas d'économie d'énergie. C'est uniquement le système de production d'eau chaude qui offre des perspectives d'économie. La
pompe à chaleur peut récupérer les calories sur l'eau d'un laveur d'air, directement dans un réacteur biologique, sur l'air vicié, dans la terre ou directement sur l'air extérieur. La production d'eau chaude est assurée par une pompe à chaleur puisant les calories dans l'eau du laveur d'air de l'engraissement. Les postes sevrage sont donc équipés avec une éco-ventilation, un chauffage par pompe à chaleur et une surisolation. Le bâtiment BEPC est composé de 12 salles de 240 places d'engraissement. L'alimentation est de type soupe avec auge longue. Les séparations sont en béton ainsi que les caillebotis. La ventilation est de type centralisé avec gaine basse. L'air de l'ensemble des salles d'engraissement est ainsi recueilli dans une seule et même gaine. La gaine centralisée permet d'envoyer l'ensemble de l'air vicié dans le laveur d'air. L'air passe dans un bloc composé de mailles et constamment arrosé d'eau qui circule en circuit fermé. L'eau retombe dans une piscine. Un échangeur de type OO puise les calories dans la piscine du laveur pour alimenter la pompe à chaleur de l'élevage afin de chauffer les postes sevrage. Une pompe puise l'eau de la piscine pour l'envoyer dans les buses au-dessus du bloc de mailles. La ventilation centralisée est la seule technique économe mise en place pour l'engraissement. Les engraissements sont donc équipés d'une ventilation centralisée. Les panneaux photovoltaïques permettent de compenser les consommations d'énergie restantes du BEPC. Avec un surcoût de 6% amorti en moins de 6 ans, le bâtiment BEPC permet d'économiser 225 000 kWh, soit plus de 76% des consommations d'énergie totale du bâtiment. Sur une durée de vie de 20 ans et en prenant en compte l'augmentation annoncée des tarifs de l'électricité, c'est plus de 270 000 euros que l'éleveur peut économiser, soit en moyenne 2 euros par porc produit.